Ma tête au visiteur, un compatriote qui vit en Afrique du Sud, ce sera un bon sparring, coach Dominique, pour notre ambassadeur, parce qu'on ne peut pas la lever cette étiquette, parce qu'il a eu son visa et il doit se défendre. C'est parti pour le premier round. Le premier round, là c'est notre léopard Chama, qui esquive d'abord, qui commence par esquiver et marquer le gauche de Jackie. Il a observé et chacun garde sa position. Il cherche. Avec son bras gauche. Matata raté. Là on ne boxe pas, vaille que vaille. On cherche là où on peut marquer. Voilà. Le bon crochet de Chama. Un crochet de gauche. Il n'y a pas de près d'arriver. Matata aussi a tenté avec un petit crochet. Il n'a pas pu. Voilà. Cham, il regarde bien. On en voit. L'endurance aussi, ça va compter. Hein, ça va compter, ça va compter. Matata qui attaque avec son petit crochet là. Et Matata a vite chassé. Je vois que Matata a des coups durs, mais avec cette lenteur. Il a l'allonge un peu. Mais il a des coups durs. Ouais. Mais il est un peu lent. Un peu lent, oui. Mais il a des coups durs. Oh là là, tu vois, il a des coups durs quand même, Matata. Ouais. Il y a la force. La force, oui, ça se voit déjà. David Cham n'aura pas la tâche facile. Il faut que Cham soit rapide. Il faut être très prudent. Vous sentez sa force, hein? Il a raté complètement. C'est ça que je t'ai dit que il a vraiment une force de frappe. Matata, Il faut bien l'observer, voilà. Il faut craindre du percute de la part d'Augustin Matata. Oui, tu vois que Matata, lui, il cherche des coups. Lui, il cherche des coups. Donc, il faut que Chama soit toujours en distance. En distance, ouais. Et il a l'avantage aussi de la longe. Le percute. Moi, je crains aussi. Il faut pas qu'il soit corps à corps. Ou avec les coups de Matata. Ouais. Donc, il faut que Chama crée une distance. Voilà. C'est ça. Il faut créer. C'est un cogneur. Il ne faut pas lui donner de petite distance. Non, il faut le fuir. Oui, s'il le fuit pas, ça sera très très dangereux. Ouais, très dangereux. David Cham. Parce que vous sentez que Matata Augustin a la force de frappe. Oui, il attaque. Il a tapé Kouba. Il a tapé vraiment Kouba. Oh là là. C'est un très combat décisif. Un combat très décisif. Le crochet. Il ne faut pas que Chama laisse la garde. Il y a aussi un crochet de Chama. Il ne faut pas que Chama laisse la garde. Voilà. Mais quand il subit, il risque de lâcher vite. Ah, c'est combat. Ici, ce sera la fin des premiers rounds. Coach Dominique, on assiste à un très bon moment. Matata, c'est un bon cogneur. Un cogneur, Benda. Voilà. Voilà, premier round. Combat. Les gladiateurs. Quand tu dominiques, ça devient très intéressant. Très intéressant. Bon, c'est un combat où ce sont les boxeurs expérimentés. David Augustin, plutôt Matata Augustin, à la taille. Et il a la force. Et David, il doit faire un effort de bouger trop pour ne pas permettre de l'attaquer. Vous sentez qu'il est vraiment un cogneur. Que si David reste sur place, il risque de tomber. Et il aura les percutes. Parce que Matata donne des coups avec précision, il garde sa position. Il percute et crochet. Et il enchaîne. Percute et crochet. Voilà. Deux à la fois. Et ça c'est pour un bon boxeur. Un bon boxeur. C'est un bon, ça se voit déjà. Deuxième round. 3 minutes. Entre Matata, c'est parti. Boxer. Je vois que Matata est sûr de lui-même. Très sûr. Mais il faut attendre, il faut s'attendre. Il bouge pas trop. Lui, il attaque calmement. Il cherche toujours. Mais je crée aussi. Tu vois le percute. Donc il cherche le percute. Les deux boxeurs maintenant, ils cherchent les percutes de part et d'autre. Matata ne recule pas. Les contre-attaques de Chama, ça va un peu, mais il n'arrive pas au bout. David Cham n'arrive pas avec ses coups. Il navigue. Il est en train de naviguer avec ses coups. Il navigue avec son coup. Voilà, Matata qui contrôle.
il contrôle, il regarde, donc, il a des positions, il essaye. Il va venir même avec les percutes. Il a une difficulté, David Cham. C'est super. Mais tu l'as dit aussi contre parce qu'il tape des coups bas. Il y a eu des coups bas. Oui, bon, peut-être que l'arbitre n'était pas prudent. Il n'a pas vu. Oh non, un coup au cou. Il n'était pas intéressant. Voilà, non, Johnny. Non. Ça m'a il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Ça m'a un morceau dur. Il a un morceau dur. Très dur, très dur. Ah, ça devient très compliqué. Très dur. Même au Gisper. Lui ne recule pas aussi. Il hein. Ne recule pas. Il ne recule pas. Ça fait le. Mais quand David bouge trop comme ça, il risque de se fatiguer. Crochet. Joli crochet. Voilà. Il n'arrive pas. Oh, il ne contrôle pas ses coups. C'est ça le problème, coach Dominique. Oui, oui. Coach Dominique, il ne contrôle pas ses coups. Il ne contrôle pas ses coups, Matata. Non, non, David. Oui. Il ne contrôle pas ses coups. Il faut que les coups arrivent pour chercher à marquer. Vraiment dans le vide. Dans le vide. Il faut éviter parce que Matata Augustin a la taille. Il faut éviter en difficulté. David Cham en difficulté. Deuxième round de ce combat. Mais si continue moyen. Moi je vois que Matata sera fatigué vers le sixième round. Parce qu'il a des coups très durs. Et il navigue aussi dans le vide. Ça risque de fatiguer vite. S'il ne fait pas tomber Cham, il sera fatigué dans le sixième round, septième round. Au moins qu'il fait tout pour faire tomber Cham. Et voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il est concentré. Vous voyez comment il est fatigué. Ouais. De coup vite là, ça fait fatigué. Ça fait fatigué. Parce que vous naviguez dans le vide et la force que vous perdez quelque voilà, chose. Bien Cham. Voilà. Bien Cham. Il faut contrôler le combat. Tu tapes après tu te déplaces. Voilà, c'est ça. Il faut maintenant contrôler le combat. Oui, bien Cham. Il faut contrôler le combat. Ok, ouais. Tu te déplaces pas. Cham commence à maîtriser, à contrôler le combat. Il bouge. Voilà, Cham, Ah, ça devient équilibré. Un peu équilibré. Deuxième round, c'est bien. Et je crois que Cham a compris. Il a compris maintenant. Auguste Matata. En Afrique du Sud et David Cham, c'est là où il a commencé à porter ses premiers gants. Il contrôle. Je vois que David contrôle bien, heureusement, dans les vides. Et c'est la force du mois. David Cham. Oh là là, crochet de gauche. Dans les deux, dans le vide. Mais il faut conserver l'énergie. Hein. Il faut conserver l'énergie. Mais il faut jouer à la prudence. Toujours dans le vide. Dans le vide. Et ça fatigue. Ça fatigue. Comme ça dans le vide, ça fatigue directement. Ouais. Mais il faut que David Cham maîtrise bien son adversaire. Son adversaire commence déjà à voir la fatigue. Oh, joli. Okay.
C'est arrivé. Il a raté le crochet de gauche. Il a raté. Il a raté joli crochet là. Crochet de gauche. Il a manifesté vraiment. Contrôle. David Cham. Il s'observe. S'observe. Ça devient round très compliqué. Nous sommes au début troisième round. Je vois que Matata montre déjà qu'il est fatigué. Ouais. Il est déjà fatigué. Il a donné des coups bien et vite. Oui, attention. Allez, ça même pas en arrière. Oui. Okay. Ah, il a enchaîné. Hein. Oui, décroché. Oh, dans le vide. Dans le vide. Dans le vide, David Matata. Dans le vide. Matata dans le vide. Des jolis coups, mais dans les vins, les vies. Gaspillage d'énergie. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, pas vous sentez. Ça se voit déjà. Hein? Signe de fatigue. Signe de fatigue. Oh, là, là. Signe de fatigue. Ah, il conserve, il se conserve. Hein? David. David Cham. Il a arraché sa qualification au Cameroun. Oh là là, il percute. Il cherchait le percute. Heureusement que David Cham était très prudent. Très prudent. Pour fuir les percutes. Ok, double gauche, bien que tu aimes le double gauche. Bonne prestation de David jusque-là. Oui. Ça va. Bonne prestation de David jusque-là par rapport à Augustin. Oui. On l'a pas senti, il s'écoule, il s'est plus dans les vides. Le vide. Il voit qu'il s'est plus ressaisi. Je crois que son entraîneur... Le combat jusque maintenant, c'était l'avantage de David. Hein. Ouais. Bon, ça c'est nous. Hein. Ça c'est nous. Ça, c'est nous, oui. Les juges qui sont plus habilités à donner le verdict du combat. Ça c'est nous. Hein, ça, c'est une très bonne soirée de la boxe sur la radio-télévision nationale congolaise sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait assisté dernièrement à la, au ceinture de Makabu, au Charte. Au Charte. Et Makabu a toute une charge de la République derrière lui. Ils sont pas encore là. Nous attendons, c'est le deuxième combat. Le quatrième round. Le quatrième round. Quatrième round. Entre David Cham en jaune bleu. Espérons que Cham se réveille maintenant encore. Nous espérons. Et Matata Augustin, un bon boxeur aussi. Un hein. Bon boxeur. Un bon cogneur. Un bon cogneur. Il y a la force. Oui, oui, oui. Mais il faut aussi la technique. Il faut aussi la technique. Il a tenté de rester un peu son crochet. Non, oui. Ça n'a pas. C'est ce que moi j'ai dit, il faut qu'ils puissent capitaliser. Ça va. Là, il faut que David Augustin puisse capitaliser ses forces. Il a la force. Mais s'il continue à contrôler ses coups, David sera en difficulté. Il faut que David bouge trop pour éviter la force. Il évite le corps à corps. Ouais, il faut éviter le corps à corps. Parce que Matata, il force. Avec Matata, corps à corps, tu risques de tomber. De tomber. Les KO. Et si les KO tombent. Ouais, monsieur de gauche. Très bien, Chama. Répète encore. Un bon crochet de gauche. Il a réussi, hein. Oui, c'est quatrième round. Il a réussi un joli crochet. Voilà, direct de gauche. Oh là là. Déplacement. Voilà, très bien. Il faut toujours déplacer. Il faut se déplacer. Non, allez vite. Ah, il faut beaucoup de techniques citées maintenant. Parce que nous sommes dans les rounds, où il y a des... Il est encaissé. Il est encaissé. Matata, il est en train de mettre en difficulté David Cham. Voilà, voilà. Il a marqué, il a marqué le poids. Très bien. Marque encore. Ah non. Mais il a bien bien sa position. Il a bloqué. Il a bien bloqué. Il a bien bloqué David Cham. Ouais, ouais. Ah. Bon. Ah non. Il cherche le parti de crochet. Ah, oui. Oh là. Non. Il faut que ça arrive. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Les crochets de David n'arrivent toujours pas. Coach Dominique. Ah là là, Kouba. Kouba. Ah, ouais. Prohibé. Oh. C'est un coup prohibé. Hein. Ouais, ah le Kouba. C'est un coup que ce n'est pas permis. Hein. C'est pas permis. C'est pas vraiment prohibé. Maintenant que l'arbitre vient de voir maintenant, depuis qu'il a commencé. Ouais, ça arrive.
Là, le coach Dominique Bilambo parle avec son cœur. Bon, c'est un technicien, vous comprenez. Bon, sur les rings, ça devient très très intéressant. Très intéressant. Entre David Cham qui est en jaune bleu voilà. Et Matato Guita. Crochet, crochet. Il a fait le crochet. Il s'est réveillé. Au quatrième round de ce combat entre David Cham qui est en bleu pour le jaune et également Matato Guita. Ah, il s'est réfugié. Il a boxé tous les deux. Il a réussi à décrocher au même moment. Et c'était super. Et d'ici là, ce sera la fin. Le cinquième round. Fin du quatrième round. Combat toujours équilibré. Toujours équilibré et intéressant. Oui, oui, très intéressant. Coach Dominique, on insiste quand même. Tout au début, là, on a senti la frousse de la part de David Cham. Le premier round. Et on a senti également que Augustin Matata donne des coups d'aller vite et gaspillage d'énergie. Voilà. Je crois que l'entraîneur Kayumba est en train de donner des consignes précises à David. Dès que vous donnez crochet, il faut fuir pour ne pas permettre à Augustin d'attaquer parce qu'il a la force. Il faut des fins cogneurs. Un cogneur, pas de corps à corps. Ouais, ouais. Parce qu'il risque de vous donner deux, trois coups de tactique et vous risquez de tomber. Le cinquième round. Et on a assisté au premier combat des dames en catégorie plume pour ABU. Et c'est aussi ABU. On va taper les plus grands. Cinquième round. Mais c'était pas intéressant. Il a raté. Il faut contrôler les coups. Oui. Parce que tout ça, ça dans une compétition aussi importante, il faut tout contrôler. Il faut éviter ce qui est prohibé pour chercher à marquer les points. Ok, oui, voilà. Très bien, Chama. Chama, il continue. Il fait tout encore. Mais... Il arrive à donner des coups à la place qu'il faut. Il faut qu'il soulève un peu son garde. Bon, rocher de gauche, il a raté. Matata a raté. Il baisse trop la tête, hein, Matata. Il mesure bien son adversaire. Il est fort, mais physiquement. Ça, c'est il semble être un technicien. Il a plus l'avantage sur le plan technique, que la force. Okay, et il a profité de sa technicité pour marquer devant Augustin. Voilà. Un bon combat entre Cham David et Matata pour ABU. ABU c'est Africa Boxing. Super. Il faut que donner des coups avec beaucoup de précision. C'est qui manque. Précision pour avec de précision. Avec précision toujours. La précision qui marque beaucoup de choses. Chama, sur le plan moral, Chama, il s'est ressaisi. C'est Chama toujours qui a voilà. Voilà. Ok.
crochet. Très bien. Il a fait le crochet. Il est non. Dans le vide. Dans le vide. Non. Non, encore, encore. Encore, encore. Il y a cinq points. Oui, un peu de précision. Ouais. Parce qu'il tape beaucoup de coups dans le vide. Ouais. Dans le vide. Et du côté de Matata Augustin. Lui aussi, la même chose, si tu as remarqué. Ouais. Mais tu percutes les décrochés dans le vide. Et depuis le début, il n'a pas encore réussi à l'immersion. Non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Aussi réussi. L'avantage de David, il réussit dès. Crochet à la fois. Les crochets, là, ils ont aussi. Oui, mais l'hypertype, il a l'utilité. Sixième round, hein. Ouais. Sixième round, ici au studio Maman Nguedi, pour ce combat important de catégorie moyen pour ABI. Dans les vides, crochet dans les vides. Dans les vides. Il faut éviter, c'est maintenant, il faut beaucoup de concentration. Il fait travailler le ventre. Là, il fallait pas fatigué. Attention avec l'hypertype de Augustin. Il essaie de tomber. Il évite le corps à il faut l'éviter. Parce que Augustin a des coups très durs et très puissants. Il faut qu'il évite le corps à corps. Voilà, comme ça. Ouais. Gauche déplacement. Gauche, il se déplace. Ouais. Il faut que Chama 1, 2, il se déplace. Voilà. Ça fait partie des techniques. Hein. Mais ce qui est vrai, qu'il est plus technique. Ouais, voilà, il a plus de technique que la force. Il faut qu'il exploite du côté technique. Décrocher un coup, il crée l'espace. Allez, non, c'est pas permis ça. C'est pas permis. Non, pas permis ça. C'est un mauvais coup. Chaque fois. Je remarque que comme ça arrive au niveau des deux boxeurs comme ça, ce n'est pas intéressant. Ce sont les grands boxeurs qui peuvent plus arriver à ce niveau-là. C'est trop bas. Il faut éviter. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Ok, hop. Il faut enchaîner. Dans le vide, ce n'est pas du tout intéressant, ce n'est pas errant, intéressant. Hein? Ce n'est pas intéressant. Ok, ça touche. Là, il a touché. Hein. Oui. Mais ce n'était pas efficace, vous n'était pas puissant. Efficace. C'est ça qui lui reste à marquer seulement, c'est bien, hein? Parce qu'il ne peut pas le faire tomber, hein? Il ne peut pas faire tomber ma tête. Hein? Il n'y aura pas de KO. Ouais. Ça c'est sûr, il n'y aura pas de KO, on ne sait jamais. Ça peut arriver, mais attention, les coups des matins. Hein. Ouais. Il y a la force, il y a la puissance. Mais. Il est résistant. Il est résistant. Il a réussi un bon hypercute de Matata. Il a pu maîtriser. Un bon hypercute. Si ça devient compliqué. Quand tu Dominique, si il enchaîne, il faut qu'il fouille comme ça pour récupérer un peu du souffle. Il faut qu'il bouge un peu. Pour récupérer le souffle. Ouais. Il était bien touché avec l'hypercute. Il a reçu vraiment l'hypercute. Approché. Ah, il a une difficulté, Gamdi. David est en difficulté. C'est Matata des coups durs, vraiment. Ouais. David est en difficulté. Oui. Il est en difficulté. Il faut qu'il se déplace. Voilà, pour récupérer. Voilà. Un round très difficile pour David Cham. Et pour Matata. Là, ça, c'est... En tout cas, nous-mêmes, si nous n'avons pas le pouvoir de juger, on a jugé. Les rounds, c'était pour Matata. Pour Matata. Ouais. Tu vois déjà. Ouais.
C'est intéressant. Intéressant, très intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que David a la technicité, mais il faut qu'il est vite, il faut qu'il bouge. Il est vite. Parce que Augustin, Matata Augustin a la force. Et il cherche le percute. Et le crochet. Et s'il enchaîne le deux crochets, à la fois comme David est dans le déchaîné, il sera KO. Ah, il faut jouer à la prudence. Tu vois que Tchama, il est en haut des fesses. Il va bien toucher. Ouais. Mais il a fait semblant comme si on avait touché. Oh, là, il était bien touché. Ouais, il était touché. Et il a fait un peu de déplacement. Ouais, c'est pour récupérer un pour peu. Pour récupérer un peu. Ah, ça fait partie de la technique. Oui, de la technique. Ouais. Tu es touché, mais tu fais semblant. Il fait semblant. Tu fais déplacement. Non, il était. Il a subi un moment dur. Il a passé un mauvais round. Huitième round. Entre Tiamba, David et Matata Augustin. Dans les filles. Oh là là, dans les filles. De raté. Un beau combat de la soirée ici au studio Marangeli. Non, il n'a pas touché. Et il a tapé derrière le dos. On colle. Il faut éviter d'être à côté du corde. Oui. Vous savez que d'arriver en difficulté. Attends. Tata. Ah, il gère bien son souffle. Hein. Ah, c'est mal. Ouais. Il bien les ah, il faut avoir des souffles à revendre. Hein. Oui. Il faut avoir des souffles à revendre. C'est le deuxième combat de la soirée. Entre Tiam et Matata Augustin. Matata Augustin. En jaune. C'est le 30e round, monsieur Tanja. Le 8e round. 8e round. Je vois que les deux boxeurs sont fatigués. Ouais. Hein. Ce n'est pas facile de résister jusqu'à ce niveau-là. 8e round. C'est déjà bon. L'arbitre demande qu'on boxe. Pour les deux. Et chacun garde sa position. Allez, il faut enchaîner. Non. Il n'a pas touché. Là, il boxe dans le vide. Vraiment, c'est dans le vide. Ah, maintenant, c'est Matata qui cherche l'uppercut, cherche le son uppercut de son côté. Ouais. Mais son problème, c'est qu'il arrive dans le vide. Il n'arrive pas à enchaîner. S'il arrivait à enchaîner comme David Cham, il devait être déjà victorieux ce soir. Mais nous attendons, ça fait partie du technique, comment gérer les combats. Gérer les combats. Tous les deux, maintenant, gèrent les combats. Ouais. On sent quand même le signe de fatigue. Le signe de fatigue, tous les deux. Non. On donne les coups par les deux, ce n'est pas intéressant. Tous les deux sont fatigués. Ouais. Et même Matata, Augustin, qui attaquait, et il commence à mettre un peu de réserve. Ouais. Non. Signe de fatigue. Signe de fatigue. Il boxe le trop dans les vides. Septième round, c'est la fin. Maintenant, c'est huitième round. Pour les deux boxeurs, chaque round a 3 minutes. On sent plus l'intensité comme c'était au début. C'est des fatigues. Et surtout quand on donne trop de coups dans les vides. Des coups durs dans les vides. Ce qui n'est pas intéressant. Intéressant. Il faut que ça touche. Quand ça touche, là, ça va. C'est le championnat Africa Boxing Union, ABI. Pour les deux boxeurs, Tiama David et Matata Augustin. Notre boxeur, notre pugiliste qui...
Ici quand même son petit crochet là, qui n'a pas beaucoup pesé. On esquive le Tchama qui esquive. Il y a les initiatives. Oui, oui. Le crochet. Mais il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Non. Non. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Un rouge, je fais Augustin. Augustin Matata qui cherche les KO. Au KO. Mais c'est pas facile avec le KO. Il marque bien. Là, il y a les signes de fatigue, quand ça commence à se manifester. Oui, ça se voit. Et huitième, non. Un coup dans le vide. Dans le vide. Mais il ne désarme pas, Augustin Matata. Il attaque. Voilà, maintenant le signe. Ouais. Le Tchama doit bouffer. Il change. Voilà, il éviter les corps à corps. Voilà, c'est comme ça. Il faut maintenant l'éviter. Voilà. Il faut le buter. C'est comme ça qu'il doit bouffer maintenant. Pointer, après fouiller. C'est dépassé. Il faut les faire fatiguer. Il ne bouge pas trop, Augustin Matata. Matata Augustin, il ne bouge pas trop. Lui, c'est un cogneur. Ouais. Lui, c'est un cogneur, il ne bouge pas. Il n'est pas trop technique, hein, mais il est très puissant. Mais que Tchama évite le corps à corps. Ouais. Parce que les corps à corps, on voit les travailler par le ventre. Oui, oui, oui. Il risque de les tomber. Voilà, Tchama, comme ça, c'est bien. Ok. Dans les vides. Dans les vides. Tous les deux vont faire dans les vides. Tous les deux. Ouais. Aïe, aïe. Les signes de fatigue commencent à se manifester pour les deux boxeurs. Ici au stade, Maman Gedi. Il n'a pas touché. Un très très bon combat. La catégorie moyen pour ABU. Africa Boxing Union. Non. Rien du tout. Il n'a pas touché. Il ne recule pas. En effet. Dominique, ah, il ne recule pas. Il cherche à tout prix le KO. Mais c'est pas facile. Il est féroce. Hein. Oui. Il est vraiment féroce. C'est un guerrier. Un véritable guerrier. Tu vois comment il attaque. Lui, il cherche le KO. Mais c'est pas facile avec Tchama. Ah, Tchama ne donne pas l'occasion. C'est un technicien. Ouais. Et c'est ce qui est dans son avantage qu'il met sa technicité. Ce sera bientôt la fin du 8e round. On est à matin, vous serez expérimenté. Ouais. Face à ce voilà. Fin du 8e round. Un bon technicien, David Tchama. S'il n'était pas technicien, il devait être déjà en difficulté. Il allait avoir un KO. Bientôt sera le 9e round. Deuxième round entre Tchama David et Matata. Je dis c'est le deuxième combat de la soirée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le premier combat c'était en catégorie BAM, en catégorie plume plutôt, ABU, entre Marcela Sakobi qui a gagné Moura Zania au point. Et le deuxième combat de la soirée sur la RTNC télévision du peuple, c'est David Tchama et Matata Augustin. On est maintenant au début du deuxième round de ce combat. Je signale que David Tchama, c'est lui qui va représenter la République démocratique du Congo au projet Olympique. C'est parti pour le 9e round, Dominique. Et Matata qui est le premier à se lever, toujours déterminé à gagner le combat. Et chacun aussi a l'esprit de gagner. Voyons voir. C'est pas facile. C'est Matata qui marque un direct de gauche et Tchama toujours en déplacement. Il a seul. Là, il a réussi quand même à échapper. Le mouvement de Tchama, c'est très bien. Vois ce mouvement là, faut pas qu'il reste sur place. C'est le même Tchama, il faut que Tchama soit toujours en mouvement. Ça c'est David Tchama. Thank you.
mais lui aussi a réussi le procès de Matata. Le vice-versa. Le vice-versa, tous les deux boxeurs. Là, c'est Matata qui ne recule pas. Il ne recule pas. Et David Lam, ouais. Il faut toujours qu'il fasse des choses. Il faut fatigué. Je vois que Matata ne recule pas. Il ne recule pas. Il attaque toujours. Vous avez dit qu'il faut toujours. Il est décroché. Et David Lam est un très bon technicien. Très bon technicien. Ok. Et surtout, du coup, le crochet dans les vis. Il faut que David puisse éviter ça. Oui. Pour ne pas permettre. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché ça, parce que Matata a une bonne garde. Joli crochet de droite. Oh, accrochage. Pourquoi s'accrocher? Là, c'est Matata. Matata qui s'accroche. Ah, ça devient très décisif. Dur de Matata. Ouais. Ça devient très décisif. Là, c'est un point pour Matata et 59 points pour Charles Abidjan. Combien? 59 pour Matata. Et 59 pour Éditeur. Ouais. C'est l'avantage maintenant de Cham. Hein? De Cham qui a légèrement. Il est avantageux par rapport à Éditeur Matata. Matata a remonté. Quand t'as remonté le poids à un combat intéressant. Là il faut beaucoup de précision de la part de David. Beaucoup de précision de la part de David parce qu'il passe un bon cogneur Matata. Et physiquement il est fort. Très fort. Matata. C'est ce que David doit éviter. Les résistants. Les résistants. Dixième round. Là maintenant c'est Matata qui cherche le chaos. Il cherche le chaos. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Un combat intéressant. Ce sont des guerriers du ring. Oui. Pour Matata, ça, il est face à un grand boxeur. Hein. Ouais. Savoir le faire bouger trop. Il est résistant. Il a une difficulté. Vois le coup de Matata. Ouais. Il est trop puissant. Très puissant. Ouais. Très puissant. Très puissant. Maintenant, Cham est en difficulté. Mais il ne ferme pas bien le poing. Hein. Ouais. C'est ça le problème de Matata. Il ne ferme pas le poing. C'est comme une gifle pour ça. Oh, il faut bien fermer le poing. Le coup est léger. Moi qui ne ferme pas. Ah, il faut que... Attention, avec du petit, non. Il a raté, dans les vides. Dans les vides. Il cherche des KO. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ah, la salle est électrisée. Avec Cham a su voir bien que Cham est déjà fatigué. Ouais, hein. Il est fatigué. Avec ses coups de fusil de Matata, ouais. Il est fatigué. Hein. Ah, c'est pas facile. Pas facile. Supporter les coups de Matata. Matata. Je crois qu'il a donné trop de coups dans le but. Ah, le but. Il se maintient quand même. Deuxième round. Lui, il va commencer directement. Il ne traîne pas, Matata. Il ne traîne pas. Et il ne donne pas l'espace à David Cham. Matata qui
est en train de chercher des hypercutes, ouais. Comme d'habitude, parce que lui cherche les hypercutes et les crochets. Mais il ne parvient pas. Il ne parvient pas. Il cherche toujours, mais il ne parvient pas. Tu vois, dans les pics. Dans les pics. Crochet dans les pics. Là, au moins, tu l'as dit. Il ne faut pas enchaîner. David, il ne faut pas enchaîner. Il fallait que David enchaîne. Ouais. David, on s'est fatigué. Hein. Ouais. Dixième round. C'est pas facile. Ouais, maintenant, David a peur maintenant de courir. Il faut que je ne pas attendre. Il faut éviter les corps à corps. Il faut éviter, il faut qu'il évite. Comme il est déjà fatigué, s'il reçoit un coup, il risque de tomber. Ouais. Corps à corps, ça sera très compliqué très pour David. David, il faut toujours l'éviter comme ça. Il faut qu'il évite, jusqu'à la fin. Ouais. Il faut qu'il évite. Dixième round, pour ces catégories de moyens, c'est ABI. Entre David. Voilà, bien David, enchaînement, enchaînement de coups de David. Contre la corde. Un combat difficile, mais un combat intéressant. Intéressant. Je vais vous suivre en ce moment. C'est la dixième round. Entre Tata Augustin c'est pas toujours Matata. Ouais. Non, mais dans les vides. Vides. Dans les vides. Dans les vides. Et puis Cham a l'avantage de créer des espaces. Oui, oui. Déplacement. Hein? Il fuit bien. Crochet. Pour enchaîner. Il est résistant, David. David est très résistant. Parce qu'avec le coup là de Matata, ce qui n'est pas résistant, il va tomber. Hein. Ouais. Voilà, déplacement comme ça, Tchamaoui. Attention ouais. Non. Il garde bien couvert. Bien couvert. Bien couvert. Oui. Il garde bien sa position pour ne pas permettre à Matata Augustin. De marquer les points. Dans les vides, dans les vides. Vides. C'est dans les vides. Et ça fait vraiment perte d'énergie. Perte d'énergie. Voilà. Le deuxième combat de la soirée. Non. Voilà. Signe de fatigue. Signe de fatigue de Matata. Bon, ça s'est mis vers la fin de ce combat de la soirée. Entre David Cam. Matata qui fonce toujours. Qui fonce. Matata ne recule pas. Il ne recule pas. Oh là là. Matata cherche maintenant le chaos, je vois. Joli crochet de Matata. Et David. Malgré. Oui, oui. Malgré que Matata donne des coups durs, mais il ne se fatigue pas. Il est toujours en attaque. Ouais. Il est toujours en attaque. Attention. Maintenant, il faut chercher les chaos à tout prix. Sans précision, il n'a pas de précision Matata, mais il est toujours en attaque. Il est endurant. Endurant. Toujours en attaque, mais sans précision. Il est au premier point pour l'attaque. Matata qui cherche bien les KO. Il cherche les KO. Il cherche aussi l'enchaînement. Il cherche à enchaîner, mais pour terminer. Ça termine maintenant. Mais un bon technicien David. David est fatigué. Ouais, il est fatigué. Il a beaucoup donné.
peu fatigué. Oh là là. Maintenant, Matata qui cherche le chaos. Matata cherche le chaos. Il y enchaîne. Le chaos maintenant. Enchaînement des coups de Matata. De... Ouais. Ah, ça devient. Enchaînement des coups de Matata. Matata qui est en train de chercher le chaos. Ça se voit. Il a donné le coup à... Mais il est très fatigué quand même. Ouais. Des oui. Parts et d'autres. Voilà. Bien, bien, bien. Très bien. C'est la fin. Chama se réveille à la dernière minute. Mais il a été malmené. Hein. Malmené dès le début du round. Ah, c'est terrible. Hein. Maintenant, c'est le dernier round. Dernier round. Le round décisif. On a assisté quand même à un combat intéressant. Combat intéressant. Chacun avec sa technicité. Des très bons boxeurs. David Cham. Des Kapemba. Je crois que oui. Toute la commune de Kapemba est debout. SNCC sont debout pour pousser David Cham à la victoire. Et Matata Augustin à la position, les compatriotes qui sont en train de nous suivre sont derrière Augustin Matata. Matata Augustin, 12e round, round de la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dernier round. Dernier round. Oh, déjà Matata, rocher dans le vide. Dans les... Non. Matata, ah, il est cogné. Il s'approche. Garde toujours sa position. Il garde bien sa position. Garde bien sa position. Allez David, ça m'a réveillé toi même. Non, 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 attention, vous avez dit, il cherche les KO à tout prix, dernier round. Ça ne manquera pas peut-être. Il cherche toujours. Matata cherche toujours le KO, mais c'est pas facile avec le technicien Chama. Ouais, ouais. Il a bien. Compris. Voilà, voilà, il a triple gauche, triple gauche de Chama David. Malgré que les deux boxeurs sont fatigués. Ouais. Mais c'est le dernier round. Le dernier round. Dernier round. Allez Chama, bien, bien, voilà. Combinaison de Chama, ça va quand même. Très bien Chama. Maintenant c'est là. La... Maintenant c'est la résistance. Résistance, résistance. Dernier round. Accrochage des deux boxeurs. Accrochage des deux boxeurs. Ils sont fatigués. Et toi récupérer ils sont fatigués. Voilà, bien Chama. Ils sont fatigués. Ouais. Dernier round. Il n'y aura pas de KO. Pas de KO. Oh là là, Matata dans le vide. Coché dans le vide. Ouais. Coché dans le vide. Ouais. Non. Jamais dans les vides. Dans les vides et puis même les traits de bas. Oui. Ça devient très compliqué. C'est ça. Matata n'a plus de souffle à revendre. Il est en train de foncer, mais toujours dans les vides. Ouch. Accrochage des débouqueurs. Ils sont tous fatigués. Ouais. Dernier round, c'est pas facile. 12 rounds. Il faut avoir l'endurance et la physique. Voilà. Oh bien, combinaison de Chama, ok, combinaison de coups encore. Non, ça ne fait pas toucher. Il n'a pas touché. Rocher aussi dans les vides. Enchaîné. Enchaîné. Il n'enchaîne pas. Hein. N'enchaîne pas. Il n'enchaîne faut un enchaînement de 4 ou 5 coups. Décroché inefficace. Oui, ça va, mais non, pas du tout. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ils sont fatigués et tout. Ça sera la fin. Bientôt la fin. Ah, il n'y aura pas de KO. Fatigué, pas de KO. Ah. Oh là ah. Voilà, allez, ça, allez ah. C'est la fin. Le président de la fédération est là pour donner la ceinture ABU, les résultats.
Pourquoi? David gagne. Quand David gagne le combat de la soirée, à l'unanimité des juges, il gagne un point. Oui, oui. Matata Augustin. Ah, il a souffert aussi, hein. Oui, oui, il a mérité quand même sa victoire. Il a mérité sa victoire. C'est un technicien face à un guerrier. Ouais. C'est ça la différence oui. entre un technicien et un guerrier. Un guerrier. Et sur les rings, le technicien a plus d'avantages que le guerrier. Voilà. Parce qu'il n'était pas technicien, il allait tomber. Ouais. Avec le coup de Matata, il allait tomber. Bravo, Cham David. Oui, oui. Il a bien défendu sa classe. C'est vrai. Ce n'est pas pour rien qu'il va représenter la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, aux prochains Jeux olympiques pour les comptes de la République démocratique du Congo. Il avait arraché sa qualification, c'était à Yaoundé au Cameroun. Voilà.